Bonjour mes poupées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nouveau vlog, et vous allez tout le temps m'en vouloir, mais moi c'est toujours comme ça. Je sens de moins en moins de motivation à faire des vidéos sur YouTube. Par contre, je suis beaucoup plus présente sur Instagram. Mais bon, malgré ça, quand je poste sur YouTube, le but c'est voilà, de partager mon quotidien ou mes sorties. Allez, pour vous donner des idées, pour changer un petit peu de la routine, du corona, de la chaleur, de tout ce qui se passe dans le monde, toute la négativité qu'on peut lire sur les réseaux sociaux au quotidien. Donc franchement, voilà, j'essaie de faire de mon mieux, de vous partager des bons plans, etc. Donc j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite un Eid Moubarak parce que j'ai pas eu l'occasion de vous le souhaiter sur YouTube. J'espère que vous avez passé un bon Eid. Et puis pour nos frères et sœurs qui étaient bloqués en dehors de l'Algérie, j'espère que vous êtes bien rentrés. J'étais vraiment contente et soulagée pour beaucoup parmi vous que je connais personnellement qui sont enfin rentrés. Et voilà, pour les personnes qui n'ont pas encore eu cette chance, bah, je vous souhaite beaucoup beaucoup de courage. Et puis, Inch'Allah khair, Inch'Allah, vous allez retourner chez vous. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Rien d'autre pour vous consoler, mais il vous faut beaucoup 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 de courage. Il faut voir le bon côté des choses. Peut-être ça va vous permettre de découvrir le pays où vous êtes, ou je ne sais pas moi. Je ne sais pas quoi vous dire. Si je peux faire quoi que ce soit pour changer les choses, dites-le-moi en commentaire. Après, voilà, je souhaite aussi présenter mes condoléances au peuple libanais, à Beyrouth, pour ce qui s'est passé. C'était choquant. Et voilà, j'espère que ce sera la dernière des mauvaises choses qui vous est arrivée. Et aussi, je souhaite demander aux filles qui peuvent m'orienter si on peut lancer un appel, si on peut faire quelque chose, si vous connaissez des pages qui sont fiables pour aider nos frères algériens à Mila après le tremblement de terre, parce que je sais que j'ai vu des images qui m'ont fait mal au cœur, des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans leur maison, sans toit, sans rien du tout, avec cette chaleur. J'arrive pas à imaginer. Il y a des gens qui, voilà, ils avaient de belles maisons et tout, et du jour au lendemain ils se sont retrouvés à la rue. Donc si on peut faire quoi que ce soit, dites-le-moi en commentaire si vous connaissez des associations ou des pages fiables sur lesquelles on peut faire des dons. Dites-le-moi, au moins je pourrais lancer à mon tour un appel sur mes réseaux sociaux. Ça pourrait peut-être changer les choses. Donc voilà. Et puis aussi, j'ai un petit quelque chose à vous demander, un petit service à vous demander. En fait, ça fait quelques jours, j'ai lancé un appel sur Instagram concernant un bébé qui s'appelle Imen, qui a 9 mois, et c'est ma petite cousine en fait. Elle est atteinte d'une maladie depuis la naissance. Elle a un système immunitaire très, on va dire, très affaibli. Donc peu importe, un petit rhume peut devenir une pneumonie en 2 jours, tout simplement. Donc ce qu'il lui faut, c'est une greffe de la moelle. Vraiment, c'est très 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 urgent. Il y a une association qui se charge. Donc ils ont ouvert une cagnotte qui est approuvée par Cotisap. Donc c'est, on va dire que c'est quelque chose une source fiable, c'est quelque chose de confiance. Je ne vais pas vous partager un lien qui, voilà, je ne sais pas où l'argent va partir. Donc si vous me faites confiance, je vous prie de tout cœur de pouvoir aider. Donc même si vous ne pouvez pas aider financièrement, je vous prie de juste partager cette cagnotte. Il y a tous les documents nécessaires concernant le devis de l'opération en Turquie, etc. Donc si vous pouvez juste jeter un petit coup d'œil, si vous pouvez aider financièrement, tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas, voilà, juste partager cette cagnotte ou mon post Instagram où je décris la situation. Voilà, je vous en serai vraiment reconnaissante, et jazakumullahu kulli khair. Je prie Allah pour que tout ce qui se passe au monde change vers le mieux, inshallah khair. Je l'espère. Ça commence un peu à nous peser, je sais. Vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages. Je lis vos messages. Beaucoup, voilà, se sentent bloqués. Certains avaient des projets, se sont retrouvés bloqués depuis des mois. Les enfants à la maison, la pression, la routine, etc., etc. Inch'Allah khair, Inch'Allah khair. J'espère que tout se passera bien. Voilà les filles, donc pour le vlog d'aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi au Dolphinarium qui se trouve à Bruges, pas très loin de Bruges.
Voilà, si vous souhaitez y aller, donc le Dolphinarium, c'est quoi? C'est une sorte de parc d'attractions qui convient très très bien, surtout pour les tout petits, parce qu'il n'y a pas des jeux extraordinaires, c'est pas Disneyland ou Fantasyland, etc. Donc c'est des jeux qui conviennent très très bien pour les enfants qui font 85 cm. Ils pourront trouver leur bonheur, comme ma fille Nour par exemple, elle a 2 ans et quelques, donc elle s'est super bien amusée. Il y a aussi des shows de dauphins, d'otaries aussi. Voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous mettrai leur site ou sur Google Maps où ça se trouve. Et puis, si vous souhaitez y aller aussi, n'hésitez pas à prendre le ticket en ligne parce que sur place, ils ne les vendent pas. Parce qu'ils ont un nombre, vu les circonstances actuelles du Covid-19, donc ils prennent un nombre restreint par jour. Et il y a aussi une piscine qui est en plein air avec des jeux pour enfants, etc. Donc voilà les filles, j'espère que le vlog d'aujourd'hui va vous plaire. Je vous emmène avec moi tout de suite. Alors mes beautés, je vais vous montrer quelques petits détails de ma décoration de l'aide. Donc j'ai pas fait grand chose cette année. Donc voilà, j'ai imprimé ça que j'ai trouvé sur internet. Donc c'est marqué Eid Mubarak, je l'ai accroché. Les filles m'ont aidée, donc je les ai fait participer. Donc j'ai vidé tout mon dressoir là pour justement poser. Ici j'ai mis les cadeaux, donc un cadeau chacune. Parce que franchement, avec les habits que j'ai achetés pour préparer la rentrée, etc., les chaussures et tout, donc ça revient un petit peu cher. Donc ça dépasse un peu mon budget. J'ai pas misé beaucoup sur les cadeaux. Surtout qu'elles ont eu aussi des habits pour l'Eid. Donc voilà, leurs cadeaux sont là. Voilà, des petites boules comme ça de bonbons. Des choupa choups qu'elles adorent. Et puis là, ici, une petite idée pour mettre des pop-corns comme ça. Ça fait trop mignon, ça fait très mouton, quoi. Donc c'est des pop-corns que j'ai préparés. Je les ai mis dans un film alimentaire que j'ai mis un nœud juste en dessous. Et ici, j'ai collé la tête de Chanda Chip. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur le net, l'imprimer, voilà, découper, et voilà. Ça fait l'affaire et ça fait très très joli. Après, bon là, je comptais mettre mes gâteaux que j'ai préparés. J'ai pas préparé grand-chose. Mon mari m'a demandé le Sirine, m'a demandé le Brir que je vais préparer le matin, inchallah. J'ai fait des cookies au chocolat et spricciolata. Voilà, tout simplement parce que je n'ai ni le temps. Ce n'est pas du tout ma priorité, donc limite, voilà, si j'ai fait ça, c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas grave, c'est juste pour marquer le coup. Après, pour la journée, on a prévu de faire un barbecue. Pour le soir, ce sera peut-être, inchallah, un pique-nique quelque part. Et pourquoi pas samedi ou dimanche, on ira visiter un endroit pour faire plaisir aux enfants, prendre de belles photos et tout pour qu'elles puissent profiter de leurs vêtements de l'Eid, inchallah, surtout qu'il fait beau ce week-end-là. On est aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes dans un parc d'attractions où j'adore le parc d'attractions. T'adores le parc d'attractions. Comment il s'appelle le parc? On est à Bruges. Oh, ouais, on est à Bruges. Et le parc s'appelle Boudewijn. Six parcs? Et il y a des spectacles? Oui, il y a un spectacle de dauphins ou quelque chose comme ça. Et quoi d'autre? Il y a des jeux. Nour et papa sont partis pour Approche pour parler. Je l'ai déjà essayé dans un
un autre parc d'attractions. D'habitude, on va à Efteling. Oui, mais aujourd'hui, on a décidé de venir à Boudewijn. Oui, d'habitude, on va toujours à Efteling. Ça, c'est en Belgique, c'est à Bruges. Oui. C'est à combien de chez nous? C'est à 1h30 de chez nous. Oui, ça dure très longtemps. Il y a spectacle de dauphins et spectacle d'otaries. Oh ah, c'est drôle, génial. Allez, accroche-toi. Regarde, ça monte. Et après, ça va descendre. Maintenant, quelques petits craquages sur Zara. Je pensais que c'était les soldes en fait, mais on m'avait fait comprendre que les soldes en Belgique cette année commençaient le mois d'août, alors que ces achats là, moi je les ai fait en juillet. Et sachant que sur le site Zara il y avait moins 40% si vous prenez minimum 2 articles, donc j'ai profité pour prendre des choses pour les filles. Et franchement, comment ne pas craquer quand on voit de si belles choses. Je vais commencer avec Nour. Sachant que certaines choses appartiennent à la nouvelle collection, donc c'était pas soldé, comme cet ensemble par exemple. Moi, nous, j'adore lui prendre des collants comme ça en laine, et voilà, qui sont super doux, très confortables. C'est l'idéal quand elle va à la crèche. Elle est très très bien dedans, elle peut faire sa sieste bien. C'est mieux que de porter un pantalon en jean ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est le pantalon et ça c'est le haut qui va avec. Et il existe en plusieurs couleurs. Il y a du vert, je crois, il y a du beige ou du camel, quelque chose comme ça. Pour nous aussi, alors ça c'était soldé, c'est un pantalon fluide. Ça lui va grand actuellement, donc je vais le garder pour l'année prochaine, Charles. Là, c'est un pantalon fluide comme ceci. Et pour le sweatshirt, je lui ai pris celui-ci qui va avec, voilà. C'est très simple, très beau, très sobre, mais très classe. J'adore tout ce qui est Zara. Maintenant pour Cyrine, ce que j'ai pris, alors j'ai pris ce pantalon-là qui était soldé, voilà. J'espère qu'elle ne va pas trouver à l'école. J'ai pris une veste parce qu'elle manquait terriblement de veste. Donc je lui ai pris cette veste-là, un tout petit peu grande, donc on a plié les manches. Mais ça lui va trop bien. Donc celle-là aussi, elle était soldée, moins 40%. Je lui ai pris un trench comme ceci. Donc la couleur paraissait un peu nude, un beige nude à l'écran. Mais quand je l'ai reçu, c'est une sorte de vieux rose. Et franchement, je trouve ça très très beau. Voilà. Quand il pleut, surtout en automne, elle est nickel. Je lui ai pris aussi une veste en jean parce qu'elle n'en a plus. Toutes ses vestes en jean lui vont trop petites. Donc voilà, j'ai pris du 8 ans, ça lui va légèrement grand. Mais voilà, au moins je suis sûre que je ne vais pas lui acheter en septembre ou en octobre. Au moins je suis sûre que ça lui va. Et je lui ai pris une sorte de survêtement et que je trouve très très joli. Je vais le montrer comme ceci, à Zara. Très belle couleur, un pantalon large, très confortable. Et voici le haut. Le haut est comme ceci. Il est vraiment trop trop beau. Et elle se sent très très bien dedans. Elle a déjà porté celui-là parce qu'on a eu des jours où il faisait un petit peu frais. Et sur Zalando, j'avais besoin de 2 paires de baskets pour les filles. Donc j'ai hésité entre Nike, Puma, etc. Finalement, j'ai pris des Vans. Ça change un peu de ce qu'elles ont l'habitude de porter.
Mais elles sont très très confortables. Donc j'ai pris cette paire là pour Cyrine. Elle est trop belle. Comment ne pas craquer? Et j'ai pris cette paire là pour Nour. Voilà, c'est avec, avec des scratchs. Comme elle est petite, elle ne sait pas encore comment faire ses lacets. Donc l'idéal, c'est les scratchs pour les tout petits. Voilà. Donc j'ai pris la pointure habituelle pour les filles et ça leur va nickel, sans problème. Voilà, c'était le petit haul du jour. On continue avec la recette du vlog. Pour la recette du jour, mes chéries, comment dire, fifdrif, vite fait, bien fait, et c'est très très bon. On va préparer un patlijan kebabé, c'est-à-dire c'est un kebab à base d'aubergine, recette turque, assez connue, très simple à réaliser, mais tout le monde adore. Alors vous aurez besoin d'un peu de viande hachée, un oignon haché, de la chapelure, un œuf, assaisonné avec du sel, du poivre, du cumin et du paprika, et puis former des petites boulettes. Et n'hésitez pas aussi à couper une aubergine ou deux. Ça dépend de la quantité que vous voulez faire. Donc moi, pour un plateau comme ça, j'ai fait deux aubergines, je crois, si je me rappelle bien. Oui. Donc voilà, si vos aubergines en rondelles sont assez grandes, vous pouvez les découper aussi en deux et superposer de cette manière dans votre plateau. Après, vous pouvez aussi faire dans un plateau qui est rond, par exemple. Donc, vous faites des cercles avec. C'est à vous de jouer. Donc, une fois fait, je rajoute des tomates coupées de cette manière. Vous pouvez aussi rajouter des piments verts ou des oignons, peu importe. Mais moi, j'aime bien rajouter que de la tomate. Donc là, on va préparer une petite sauce à base de concentré de tomate. J'ai mis aussi un petit peu de concentré de poivre avec de l'eau, un petit peu de sel. Et je vais rajouter 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc je mélange bien, puis je viens verser au-dessus de mes boulettes de viande hachée et des aubergines. Donc une fois fait, je passe le tout dans un four préchauffé à 200 degrés et je laisse cuire 15 à 20 minutes, ça dépend du four. Entre temps, je préparais pilav. J'aime bien préparer le riz à la turque de cette manière, donc un petit peu d'huile. Je mets aussi des vermicelles comme ça, je les fais dorer. Et là, je rajoute le riz que j'ai déjà lavé. Plutôt, je l'ai trempé dans de l'eau à température ambiante. Ensuite, je l'ai lavé, égoutté et je viens le rajouter ici. Je rajoute de l'eau bouillante, un petit peu de sel et je couvre le tout. Je laisse cuire une dizaine de minutes, même pas. Voilà. Après, quand l'eau sera absorbée, c'est prêt. Donc, je sers le tout avec du yaourt grec nature et je trouve ça vraiment délicieux. Je vous souhaite un très bon appétit. J'espère que le vlog d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.